Eh bien, bonjour et bienvenue à bord ce nouveau numéro de thierryweber.com, ici à Yverdon, à la HEIG. Je vous laisse deviner à quoi correspondent ces quatre abréviations, mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. On est le lendemain de la soirée Grand 2010, vous savez, cette soirée qui récompense les professionnels de la publicité, du graphisme, du design, de la photo et du web. Ok, alors on ne va pas parler des problèmes parce qu'il n'y a que des solutions. Moi j'aime bien effectivement, quand on parle de problèmes, d'amener des solutions. Et la solution que je vous propose, puisqu'elle a été initiée effectivement à la suite d'une petite idée, une petite initiative qui a lancée sur Twitter, et si on se faisait notre propre prix à nous ? Alors, je remercie déjà, avant de vous expliquer le pourquoi de cette vidéo, je remercie tous ceux et celles qui ont tout de suite répondu « Banco, ok, vas-y, fonce, on y va, on le fait ». Tous ceux et celles qui, dès hier soir, ont tout de suite donné de leur personne, de leur carnet d'adresse et de leur tweet pour lancer la chose. Et puis, ben, tous ceux et celles qui se disent « Ouais, on va pas baisser les bras, on va faire quelque chose pour les métiers du web ». Donc, comment ça marche et en quoi consiste ce que je vous présente ? Eh bien, c'est très simple. La réflexion, l'idée de se faire son propre prix, elle est pas mal. Elle permettra de faire pas mal de choses, comme par exemple de mieux présenter les travaux, mais aussi de mieux les juger, puisque la plupart d'entre vous m'ont dit « Nous, on est prêt à faire que ce soit l'internaute, que ce soit le end-user, que ce soit la personne à l'autre bout du clavier qui juge. » Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée, parce que ça permettra de montrer qu'on est d'accord de prendre cette part de risque, mais aussi, surtout, de sortir des chiffres, puisque notre métier nous le permet. Et oui, les stats, Google, Analytics, le nombre de clics, le nombre de vues, les vidéos qui sont consultées, tout ça, tout ce genre de choses, j'en passe, c'est les meilleurs. Enfin bref, tout ça pour vous dire que, en lieu et place de monter quelque chose d'extérieur, moi je vous propose, c'est qu'on garde quand même cette marque de fabrique qui s'appelle Grand pour s'y intégrer. Ça fait à peu près 2 ans maintenant que les photographes font ça. Ils ont fait une très belle présentation, ils ont pris en charge tout ça, ils se sont occupés eux-mêmes et ils sont restés sous l'égide de Grand. Faisons la même chose pour le web, pour le mobile, pour les métiers des nouveaux médias. Alors, il y a déjà un rendez-vous qui est fixé. En conjointement à cette vidéo, vous allez trouver le lien pour vous inscrire au Doodle. On a déjà effectivement un rendez-vous prévu pour la semaine prochaine pour commencer à travailler. Alors, ok, d'accord, le grand du web, c'est pas fameux. On va peut-être garder ça comme titre de travail. Premier jour, on va se trouver un truc plus sympa. Puis pour tous ceux et celles qui sont déçus effectivement du déroulement de la soirée par rapport à ces couacs, par rapport à notre métier, notre profession, notre industrie qui a mal été représentée, ben je vous invite, au lieu de gueuler, à venir participer et puis on va bosser ensemble sur ce qui pourrait être une nouvelle variante justement de la présentation des travaux et des mandats qu'on a l'habitude de faire dans notre métier. Voilà, j'ai assez parlé, je vous invite maintenant à aller tout de suite sur ce Doodle, répondre présent, et en tout cas, si vous n'êtes pas là physiquement, eh bien, à ce prochain rendez-vous, réagissez, participez. Moi, je vous propose un petit challenge, c'est que ben, voilà, les photographes, ils ont leur association, les designers aussi, et pourquoi pas en monter une pour le web, hein ? Ça serait intéressant. Carrément, je ne sais pas, moi, faire quelque chose qui réunisse ceux et celles qui travaillent pour le web, les travailleurs du web, pour les recenser. Je sais qu'il y a plein d'entre vous qui ont déjà songé à ce genre de choses. Ça fait plus d'une année, voire plus, qu'on y songe. Ben voilà, l'occasion est peut-être toute trouvée. Et premier juré, je ferai, comment dire, je ferai usage de ma personne pour faire avancer la chose. Allez, à bientôt si c'est bon. C'est le week-end en même temps. À bientôt si c'est pas avant. Allez, je compte sur vous, hein.